Ben oui, visibilise, hein, c'est un 3 3, donc il reste toujours en communication avec tous ses fans, hein, donc hein, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et sur Internet. Donc alors là, j'ai vu, j'ai fait un petit peu les statistiques. J'ai vu que sur ma page Facebook, donc il y a environ 300 personnes qui m'aiment, que sur YouTube, que j'ai environ 580 abonnés. Donc en fait, ça bouge. Et que sur Twitter, bon, je crois, alors par contre, sur Twitter, bon, je crois. Alors comme j'ai beaucoup de comptes sur Twitter, donc c'est un petit peu délicat. Alors je ne sais pas combien nous sommes, combien de personnes qui nous aiment. Au début, je pensais qu'on était 2000, mais le problème, c'est que comme il y a mes comptes à côté, donc c'est un peu délicat. Donc vous êtes toujours encouragés. Puis, tous mes fans sur Internet, eh bien, bah, parler de Basilix en 5 temps, de manière à ce que bah, puisse, mes jeunes puissent monter, et puis que l'on puisse voir des choses intéressantes pour l'avenir. Parce que, bon, comme vous avez bien compris, Basilix en 5 temps est un artiste qui reste dans son studio, et puis qui se fait connaître par les réseaux sociaux. Donc, la suite, ce qui va arriver à Basilix en 5 temps, c'est ce que le public fera de Basilix en 5 temps. Surtout que, comme maintenant, je signe avec Sony Music. Mais vous allez entendre parler de Pacific Syndrome d'une manière un petit peu différente. Donc évidemment, une fois que. Puis je... qu'avec Sony Music, que je suis rentré un petit peu dans les fonds. Et bien là, vous allez remarquer qu'il y a du changement, qu'il y aura du voyage. Et puis là, vous allez entendre parler de Pacific Syndrome qui englobe au nom de. Puis je... Jéhovah Dieu. Puis je... Oui, donc, ouais, donc vous êtes très certainement encouragé, bah, à continuer à voter pour Basilix en 5 temps. Et je vous dis très certainement à bientôt. Bye.